Seigneur, be God in the midst of your people. Sois Dieu au milieu de ton peuple. Do that which only you, God, can do. Et fais ce que seul toi Dieu est capable de faire. Take your people from where they are. Prends ton peuple où il est. To where they must be in the season. Là où ils doivent être ou être assis dans. By a word. Par une parole. By a word. Par une parole. Write the destiny of somebody. Fais conduire la destinée de quelqu'un. And bring them to a position. Et amène-les dans une position. Where they must be tonight. Où ils doivent être ce soir. Establish your kingdom. Établis ton royaume. Do that which you have spoken to me. Et fais ce que tu m'as dit. Father, I give you praise. Père, je te rends la louange. I bring all the glory to you. Et je te rends toute la gloire. And all the people say amen. Et que le peuple dise amen. Listen tonight. Écoutez ce soir. Three things I'm going to be doing. Trois choses j'aurai à faire. Three things. Il y a trois choses. I'll bring you the word. Je vais apporter la parole. I'll bring you the responsibility. Je vais vous montrer la responsabilité. And I will begin to prophesy. Et je vais commencer à prophétiser. Put me this scripture. Donnez-moi ce passage biblique. 2 Kings chapter 6, chapter 7. De Rois au chapitre 6. We'll read from verse 1 to 9. Nous l'avons lu du 1er au 9e verset. I want to celebrate the apostolic couple. Je voudrais célébrer l'apôtre et le couple. The apostolic couple. Le couple apostolique. Is that how you celebrate? Est-ce que c'est comme ça que vous les célébrez? Listen. At the beginning of last year. Au début de l'année dernière. January. When I was having my time with the Lord, au mois de janvier, lorsque je passais mon temps devant le Seigneur, he said to me, il m'a dit, I will bring you an apostle. Je vais t'amener un apôtre. And you know, in my head, et vous savez, dans ma tête, you look out of the country, je voyais hors du pays every person, tout le monde. He said a lot of things to me about him, il m'a dit beaucoup de choses, but I didn't know it was him. Mais je ne savais pas que c'était lui parce qu'il me parlait de lui. I know you know him. As a prophet. Je sais que vous le connaissez en tant que prophète. It's an established fact. C'est un père établi. C'est un fait établi. Yes. Maybe I should start with this tonight. Peut-être je dois commencer avec ceci ce soir. The dimension of your apostolic office. La dimension de ta fonction apostolique. Is going to start mightily in the next 6 months. Va commencer puissamment dans les prochains 6 mois. 6 months, the Lord said. 6 mois, le Seigneur a dit, follow me keenly. Suivez-moi attentivement. It has been there. Ça a été là. But the opening and the stirring. Mais l'ouverture et la stimulation. The Lord says, le Seigneur dit, it takes another magnitude in the next 6 months. Il va prendre notre magnitude dans les prochains 6 mois. When the Lord introduced him to me, he said he's an apostle. Lorsque le Seigneur me l'avait introduit, il m'a dit c'était un apôtre. That was in January. Et ça c'était au mois de janvier. February, the Lord gave my wife a vision with you. Le mois de janvier, le Seigneur a donné à mon épouse une vision à ton propos. So we began putting things together. Et nous avons commencé à mettre les choses ensemble. August, you called me. No. June. Le mois de juin, tu m'as appelé. And you explained what the Lord said. Et tu as expliqué ce que le Seigneur t'avait dit. The Lord does nothing unless he reveals to his servants. Le Seigneur ne fait rien sans qu'il ait révélé à ses saints. It's not
by chance, ce n'est pas par hasard, not by happenstances, et ce n'est pas à cause des circonstances. It is God directing this soul. Mais c'est le Seigneur qui dirige. So I want to celebrate you, sir. Je voudrais donc te célébrer, monsieur. Ma, I want to celebrate you. Maman, je voudrais te célébrer. I celebrate you with all my heart. Je vous célèbre de tout mon cœur. All my heart. De tout mon cœur. The Lord gave me strong words tonight. Et le Seigneur m'a donné des paroles puissantes ce soir. And when you were stirring the atmosphere, he was telling me, let loose. Et lorsqu'il stimulait, tu stimulais no, l'atmosphère, yes. Il m'a dit, libère. So, alors, I want to celebrate this apostolic couple once more, please. Je voudrais qu'une fois de plus, vous célébrez ce couple apostolique. Too many things I want to say. Il y a tellement de choses que je voudrais dire. I feel like a woman who is pregnant with maybe 6 babies but has to give one at a time. Je me sens comme une femme qui est enceinte de peut-être 6 bébés mais elle doit accoucher les uns après les autres. The Lord will help us. Le Seigneur va nous aider. Let me read our scripture as a start. Que je lise ce passage biblique pendant que vous êtes debout. We celebrate all of you the leaders of the church. Thank vous you for standing with my brother. Les leaders de l'église, merci de vous tenir avec mon frère. I want to say thank you. Merci. Thank you, the church. Merci, église. You are a great church. Vous êtes une grande église. You are a voice in the nation. Et vous êtes une voix dans la nation. And we celebrate that. Et nous célébrons cela. Amen. Amen. Read in French. I will be choosing what I read in English. Deux rois 7, verset. Je commence par le premier verset. Yes. Élisée dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Say with me, I will see it. Je verrai, dis avec moi, and I will eat it. Et je mangerai. Say, I will see it. Je verrai, and I will eat it. Et je mangerai. Go ahead to verse 9. Yes. Go ahead. Verset 3. Uh-huh. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux et qui se dit l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Should we stay here until we die? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Yes. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. Ils nous laissent, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Yes. Verset 5. Il partit au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait des personnes. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et buvaient, et en emportaient de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. What did they take? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Food, à manger, l'or, raiment, des vêtements qu'ils allaient cacher. They went and did what? Ils allaient cacher. Yes. Ils revint, pénétraient dans une autre tente, yes, et en emportaient des objets qu'ils allaient caché. Verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, if we continue this thing, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, can you repeat it again? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Look at your neighbor for me. Regarde ton voisin. Say, pour moi. This is a day of good news. Et dis-lui, c'est une journée de bonnes nouvelles. If your neighbor is not talking, look for another neighbor. Si ton voisin ne parle pas, cherche this un autre voisin. This is a day of good news. C'est une journée de bonnes nouvelles. Yes.
Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Something will happen to us. Quelque chose va nous arriver. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Release your counsel. Relâche ton conseil. Be God in the midst of your people. Sois Dieu au milieu de ton peuple. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Please sit down. S'il vous plaît, asseyez-vous. My heart is so heavy. Mon cœur est si lourd. Too many things I want to say. Tellement de choses que j'aimerais dire. You see, in this scripture, vous voyez dans ce passage biblique, the story started in chapter 6. L'histoire commence au sixième verset. From verse 24. Du verset 20 au verset 24. The Bible says, and there was famine in the land. L'histoire commence au chapitre 6, verset 24. Il y avait la famine dans le territoire. There was famine in the land. Il y avait la famine dans le territoire. To the point that the Bible says the king was walking on the wall. Au point la Bible nous dit que le roi marchait sur les murs. And he overheard people. Et il a entendu des personnes. Saying, King, give us food to eat. Qui disait, roi, donne-nous à manger. And the king says, I don't even have bands. Et le roi dit que je n'ai même pas de grenier. Follow me, I'm taking you somewhere. Suivez-moi, je vous amène quelque part. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Sommes-nous ensemble? The king said, le roi a dit, I don't have food to give you. Je n'ai pas de nourriture à what vous donner. Should I do? Alors, je n'en ai pas. And the women said, et les femmes ont dit, we are already eating our children. Nous avons déjà mangé nos enfants. We are already eating our children. Nous avons déjà mangé nos enfants. When the king heard it, et lorsque le roi a entendu, he tore his garment. Il a déchiré ses vêtements. He did not know, il ne savait pas, that this has gotten to this state. Que c'était arrivé jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous suivez ce que je dis? But when you read, mais lorsque tu continues la lecture, right up to verse 32, jusqu'au verset 32, the Bible says, while this was happening, la Bible déclare que lorsque ceci se passait, my brother, mon frère, prophet Elisha, le prophète Élisée, with all the grace of God upon his life, toute la grâce de Dieu sur sa vie, he was doing church. Il formait toujours l'église. Non, il faisait son culte. Il tenait ses cultes. There is trouble in the city. Il y a les problèmes dans la ville. Elisha is having church with his elders. Élisée continue à tenir ses cultes. Élisée continue son culte avec and ses anciens. Telling them six dimensions to go to the heavenlies. Et il les parlait des six dimensions pour aller au ciel. He was telling them how to activate mysteries in the heavens. Il les parlait de comment activer les mystères dans le he ciel. He was teaching them how to speak in tongues. Il les enseignait comment parler en langue. He was teaching them seven dimensions to have faith to kill your enemies. Il les parlait des sept dimensions avoir la foi pour tuer tes ennemis, maman. There was trouble in the city. Il y avait les problèmes dans la ville. Is that not what is happening in the church today? Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Crisis. Les crises. In the city. Dans la ville. We are playing church. Et nous continuons à tenir nos cultes. Let's share the book of Revelation. Partageons un peu dans le livre d'Apocalypse. The Bible says. La Bible déclare. Because of the trouble in the city. À cause des problèmes qu'il y avait dans la ville. The king said. Le roi a dit. If by this same time. Si c'est à cette même heure-ci. Tomorrow. Demain. The head of Elisha. La tête d'Élisée. Still hangs on his neck. Sur son I am not the king. Alors je ne suis pas le roi. The trouble of Cameroon. Le problème du Cameroun. Is because the church. C'est parce que l'église. Has not been attacked. N'a pas encore été attaquée. Please. S'il vous plaît. You are too comfortable where you are. Tu es trop confortable où tu te trouves. If your brothers had held you. And beating you very well. Si tes frères t'avaient arrêté, t'avaient bien fouetté. The next time you want to talk about your God. La prochaine fois que tu voudrais parler de ton Dieu. You must have evidence. Tu dois avoir des évidences. Of what you are saying. De ce que tu diras. If you don't have an answer. Si tu n'as pas une réponse. Keep quiet. Alors tais-toi. 2008. We sat in an apostolic conference. Nous étions à une conférence apostolique. And the Lord said to me, et le Seigneur m'a dit, they're going to be closing churches. On va fermer les églises.
So I told the organizer. Alors j'ai dit à l'organisateur. I said, please, this is what the Lord is saying. S'il te plaît, voici ce que le Seigneur dit. They will start closing churches. On va commencer à fermer les portes des églises. Like, can we pray? Est-ce que nous pouvons prier? They refuse. Ils ont refusé. 2 months later. 2 mois plus tard. 2 months. 2 mois. A decree passed out. Un décret a été passé. With the list of the name of churches. Avec la liste des noms des églises. Listen to me. Écoutez-moi. When I each time I read this verse, I get troubled. Chaque fois que je lis ce passage, je suis perturbé. I'd been planning. I didn't know what I was going to preach. J'ai prié, je ne savais pas ce que j'allais prêcher. And the Lord played this video in my dream. Et le Seigneur fait jouer cette vidéo dans mon rêve. And I got up in my dream and wrote it down in my dream as a message I will preach. Et je me suis réveillé toujours dans mon rêve. J'ai écrit le message toujours dans mon rêve et que j'allais prêcher. So when I got up, alors quand je me suis réveillé, I went to the book I had written the message in my dream. Je suis allé dans le cahier où j'avais écrit le message dans mon rêve. Just to discover that it was empty. I was dreaming. Simplement pour me rendre compte que c'était vide, ce n'était qu'un rêve. Et que dans mon rêve, gotten up from the dream in my dream. Je m'étais réveillé, mais étant toujours dans mon rêve, so j'avais fait mes notes. Quand je venais donc, the Lord says, that's the word I give to the people. Le Seigneur m'a dit, voilà la parole que je donne pour le peuple. Follow me now. Suivez-moi maintenant. There was trouble in Samaria. Il y avait les problèmes en Samarie. But the question is this. Mais la question est celle-ci. What was the prophet doing? Qu'est-ce que le prophète faisait? When the siege the city. Lorsqu'on avait assiégé la ville, what was the prophet doing? Qu'est-ce que le prophète faisait? He was prophesying. Il continuait de prophétiser. What was the prophet doing? Qu'est-ce que le prophète faisait? When there was no food, lorsqu'il n'y avait pas à manger dans la ville, he was prophesying. Il prophétisait. What was the prophet doing? Qu'est-ce que le prophète faisait? When mothers sat down in meetings, lorsque les mamans se sont assises dans une réunion their children, et ont décidé de manger de leurs enfants, he was still prophesying. Il continuait de prophétiser. That is what the church is doing. Et c'est ce que l'église est en train de faire. Excitement, notre enthousiasme, is the size of the prophecy. C'est la taille de notre prophétie. Now, don't misconstrue me, please. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Because I'm also a prophet. Parce que je suis aussi un prophète. Do you know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce I que je dis? All my life. J'ai prophétisé toute ma vie. Till tomorrow I will still be prophesying. Et jusqu'à demain, je vais continuer à prophétiser. But the Lord said to me, mais le Seigneur m'a dit, for how long jusqu'à quand will the church sit? L'église va-t-elle s'asseoir et ne rien faire when the city lorsque la ville est en train d'être détruite? What is our responsibility? Quelle est notre responsabilité? Just to pray? Est-ce de prier? Can I shock you? Est-ce que je peux vous surprendre? Prayers are very powerful. Les prières sont très puissantes. And God hears our prayers. Et le Seigneur écoute nos prières. But the challenge, mais le défi, when God comes to answer, lorsque le Seigneur vient pour exaucer, there is no man, il n'y a aucun homme by which he can answer, par lequel il peut passer pour are you répondre. For what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Was there not prayers in Israel? Est-ce qu'il n'y avait pas les prières élevées en Israël? Elijah, Élisée, brought down fire. Élie a fait descendre le feu. And destroyed the prophets of Baal. Et il a détruit les prophètes de Baal. Follow me. Suivez-moi. His prayers, ses prières, worked in the church. Œuvraient dans l'église. Destroyed the other false prophets. A détruit les autres faux prophètes. But why did his prayer, mama? Mais pourquoi est-ce que sa prière, maman? Did not restructure. N'a pas restructuré the government. Le gouvernement. Jezebel has been on the throne. Jezebel était sur le trône for 70 years. Pendant 17 années, 70 ans. When the woman said, lorsque la femme avait dit, by this same time tomorrow, à cette même heure-ci demain, I will kill Elijah. Je vais tuer Élie. Elijah began running. Élie s'est mis à son with the anointing on his head. Avec l'onction sur sa tête. Why? Pourquoi? Anointing can change things. L'onction peut changer les choses. It does not change government. Mais ne change pas le gouvernement. Are you ready for me? Est-ce que vous êtes prêt I pour want moi? To prophesy. Je voudrais prophétiser. Because somebody under the sound of my voice, parce que quelqu'un sous le son de ma voix, you shall become a senator. Tu deviendras un sénateur. You shall become a president. Tu deviendras un président. But I must establish some things. Mais je vais établir certaines choses d'abord. I am not just speaking, je ne parle pas seulement. I know what I'm saying. Mais je sais ce que je dis. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? So what happened, think? Alors qu'est-ce qui s'est passé? The Bible says, la Bible déclare, and Elijah, Élisée, ran from a woman called Jezebel. Élie s'est enfui d'une femme appelée Jézabel.
With all the anointing. Avec toute l'onction. Follow this. Suivez ceci. With all the trouble. Malgré tous les problèmes. Elijah left. Élie est parti. Elisha inherited the problems that his father could not solve. Et Élisée a hérité des problèmes que son père n'avait pas été capable de résoudre. But God is not handicapped. Mais Dieu n'est pas handicapé. God had given the answer. Dieu avait donné la réponse. But the church. Mais l'église. Was not ready to follow through. Et ne peut pas prête à suivre. And Elisha told Elijah told Elisha. Et Élie a dit à Élisée. Thou shalt anoint. Tu vas oindre. Jehu to be king. Afin qu'il soit roi. And the Bible says, et la Bible déclare, when they went to anoint Jehu, lorsqu'ils sont allés oindre Jehu, they said, ils ont dit, when you pour oil, lorsque tu verseras de l'huile sur la tête de Jehu, you, Mr. Prophet, toi, Monsieur le prophète, begin to run. Commence à courir. Why? Pourquoi? His anointing, son onction, does not look at your prophet. Ne regarde pas ton prophétie. Why? Pourquoi? Elijah ran. Élie s'est enfui. Elisha ran. Élisée s'est enfui. It is not you, young prophet. C'est pas toi, jeune prophète. But the Bible says. Mais la Bible déclare. Though the reign of Jezebel has been there. Dès bien que le règne de Jézabel était là. When oil came upon the head of Jehu. Lorsque l'huile est descendue sur la tête de Jéhu. Jehu stood from there. Jéhu se levait de là. What Elijah could not do. Ce qu'Élie n'a pas pu faire. What Elisha could not do. Ce qu'Élisée n'a pas pu faire. He went directly. Il s'est allé directement. He said. Il a dit. Push me down that woman. Poussez vers le bas cette dame. And they pushed down. Et on l'a poussé. Jezebel. Jézabel. Why? Pourquoi? Jehu was carrying a kingly anointing. Jehu portait l'onction royale. Follow me. Suivez-moi. When we don't understand how God functions, lorsque nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne, we bring pains to ourselves. Nous apportons la douleur, nous nous infligeons la douleur. I'm taking you somewhere. Je vous amène quelque part. Who killed John the Baptist? Qui avait tué Jean-Baptiste? It was not the devil. Ce n'était pas le diable. It was a woman. C'était une dame. Sitting in an office. Qui était assise dans un bureau. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Office. Le bureau has power. A le pouvoir. Than the prophetic. Que le prophétique. Who killed Jesus? Qui avait tué Jésus? The devil. Le diable. Pilate. Pilate. Jesus said. Jésus avait dit. He says. Pilate told him. Pilate lui a dit. Do you know I have power? Est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir? To kill you. De te tuer. Or to liberate ou de te libérer. Jesus said. Jésus I a dit. I don't argue your power. Je ne discute pas par rapport à ton pouvoir. It is your father, my father. C'est mon père. That has given you. Qui t'a donné. The power. Ce pouvoir. In other words. En d'autres termes. Government has power. Le gouvernement a le because pouvoir. Because it is God. Parce que c'est Dieu. That has given government. Qui a donné gouvernement. The power. Le pouvoir. For you to control a nation. Pour que tu contrôles une nation. You better raise people. Alors tu as intérêt à susciter les personnes. And put them in government. Et les mettre dans le gouvernement. The Bible says. La Bible déclare. When the righteous rule. Lorsque le saint règne. The people rejoice. Le peuple se réjouit. But when the wicked rule. Mais lorsque le méchant règne. Including the righteous. Qui inclut le juste. They suffer. Ils souffrent. So you can pray President Paul Biya tomorrow. Alors tu peux blâmer le président Paul Biya jusqu'à demain. He will not go. Il ne partira pas. You will know this man is a prophet. Et nous, vous saurez que cet homme est un prophète. He's going to wear. Why? Pourquoi? You don't dethrone a man. Vous ne détrônez pas un homme. Because you said. Parce que vous l'avez dit. Because when God comes. Parce que quand Dieu lui vient. There must be something. Il doit avoir quelque chose. On which he stands. Qui se tient. To function. Pour, sur lequel il va se tenir pour you fonctionner. Don't, you don't believe me. Non, vous ne me croyez pas. Let me shock you. Let me shock you. Some people ask me. Certaines personnes m'ont posé la question. This thing has been happening. Cette chose est en train de se produire. You didn't say anything. Et toi, tu n'as rien dit. It's not about talking. Il ne s'agit pas de parler. There is a principle. Il y a un principe. When did, mama? Quand est-ce que maman?
Did God not tell Samuel? Est-ce que Dieu n'avait pas dit à Samuel? Don't pray for Saul. Ne prie pas pour Saül. I have rejected him. Car je l'ai déjà rejeté. My brother. Mon frère. That was on the second year of his reign. C'était la deuxième année de son règne. So how can God reject a man? Alors comment est-ce que Dieu peut rejeter un homme? And he still rule for 38 years et, more. Et il règne pendant 38 années de plus. Because parce que we don't know the difference, vous ne connaissez pas la différence between the righteousness of God entre la justice de Dieu and the justice of God. Et la justice de Dieu. The justice of God entre la droiture et la justice. La justice him juge and founded him guilty. Et l'a trouvé coupable and sanctioned him. Et l'a sanctionné. But the righteousness of mais God, la droiture de Dieu. The word righteousness, le mot droiture means signifie the right way of doing things. La bonne façon de faire les choses. So what will God do? Alors qu'est-ce que Dieu va faire? If I remove this man, si j'enlève cet homme, I have found a man. J'ai trouvé une autre personne. David is not yet born. David n'est pas encore né. So if I the righteousness of God, alors la droiture de Dieu, hates void, déteste le vide. So what will he do? Que va-t-il donc faire? We keep Saul. Nous gardons Saül. Until David, jusqu'à ce que David is ready. Est prêt. So the problem, alors le problème, is not with Saul. Ce n'est pas avec Saül. The problem, le problème, is with David. C'est David that is not ready. Qui n'est pas encore prêt. Years. 38 années. Wake up, church. Et réveille-toi, église. You think because a prophecy came, tu penses que parce qu'une prophétie a été relâchée, God will change. Dieu va changer. Are you sleep? Are you dreaming? Est-ce que tu rêves? God said, Dieu a dit, your children will be in a strange land. Tes enfants seront dans une terre étrangère. For 400 years. Pendant 400 années. They were there. Ils étaient là. For 430. Pendant 430. Did God miss it? Est-ce que Dieu avait raté no. quelque chose? Non. God had an agenda. Dieu avait un plan. 400 years. 400 années. But the year came. Mais les années sont venues. Year number one. Première année. 401 years. 401 années. Moses was not there. Et Moïse n'était pas 402. Là. 402. Moses was not Moïse there. N'était pas là. 405. 405. Moses was not Moïse there. N'était pas là. 410. 410. Moses was not Moïse there. N'était pas là. 420. 420. The problem, le problème, is with the human agencies, est avec l'agence humaine, that God has to use, que Dieu doit utiliser, to fulfill the prophecy, pour accomplir la prophétie. That's why each time, c'est pourquoi chaque fois, you receive a prophecy, quand tu reçois une prophétie, you must start praying, tu dois commencer à prier. Anyone connected, toute personne connectée, to the prophecy, à ma prophétie, Father, Père, make them ready, fais-les après, Father, Père, push them, push them, Father, Père, and I came to say to me, je suis venu te dire, by the voice of the prophet, par la voix du prophète, to decree over your destiny. Whosoever must arise, qui doit se lever, whosoever must stand up, qui doit se mettre debout, to help you, pour aider, to enter your destiny, pour que tu entres ta destinée. I release them. Je les relâche. I release them. Je les relâche. Sit down. Asseyez-vous. We are joking in church. Nous nous amusons à l'église. We think. Nous pensons. Because God said it. Parce que Dieu l'a dit. It must happen. Ça doit arriver. Even God. Même Dieu. Gave a prophecy. A donné une prophétie. It's delayed by 30 years. Et ça a été retardé pendant 30 années. So why do you judge my prophecy too? Alors pourquoi tu juges ma prophétie trop tôt? If he's a man of God, si c'est un homme de Dieu, and he said, et il dit, in 24 hours, dans 24 heures, agencies of prophecy, les agents de la prophétie, I prophesy, je prophétise, whosoever, quiconque, is connected to you, est connecté à toi, that must come alive, et qui doit être avivé, that must arise, et qui doit se lever, I command them, je les ordonne, to rise up, de se lever. When we don't understand God, lorsque nous ne comprenons pas Dieu, we get frustrated, nous sommes frustrés.
If God said it, si Dieu l'a dit, it must happen. Ça doit arriver. So the man of God said, alors l'homme de Dieu a dit, with the trouble that is happening, avec ce qui se passe, because his head was at risk, parce que sa tête était en danger, he began to think. Il a commencé à penser, some réfléchir. People will die until they bury them. Certaines personnes vont mourir jusqu'à ce qu'on les enterre. So they have the power, bien qu'ils ont le pouvoir, they will do nothing. Ils ne vont rien faire. That was what happened in Babylon. C'est ce qui s'est passé à Babylone. The king said, le roi a dit, if no man interprets my dream, si personne n'interprète mon rêve, I will kill everybody. Je vais tuer tout le monde. Daniel was drinking tea. Et Daniel continuait de boire son thé. Enjoying himself. Et il prenait plaisir, jouissait de la vie. Then by evening, et le soir, a new list came out. Une nouvelle liste est sortie. His name was inside. Et son nom aussi était parmi. It is easy to sit here. C'est facile de rester ici. And say, it's in southwest. Et dit non, ça se passe dans le sud-ouest. It's easy to say. C'est facile de dire. Les anglophones là dérangent. Oh, those anglophones they disturb. I was sleeping. Je dormais. I've been sleeping in church. Je dors à l'église depuis un bout de temps. And the Lord said to me, et le Seigneur m'a dit, the spirit of xenophobism has been released. L'esprit de xénophobie a été relâché. Rise and stop it. Maintenant, lève-toi et stop cela. I stood up that same day. Et je me suis levé cette même nuit. It was a Friday. C'était un vendredi. I began praying. Et j'ai commencé à prier. I saw it again. Et j'ai revu cela. The Lord said to me, et le Seigneur m'a dit, nothing will stop it. Rien ne pourra stopper cela. Until the church arise. Jusqu'à ce que l'église se lève. So I called some of my sons. Remember, I told you. Alors j'ai appelé certains de mes frères. We began praying. Nous avons commencé à prier. By Sunday, dimanche, they arrested all the chiefs. On a arrêté tous les boss. Chiefs. Les chefs. One of them was in my office in Yaoundé. Et l'un d'entre eux était dans mon bureau à Yaoundé. He showed me the message of what they had planned. Et il m'a montré le message de ce qu'ils avaient planifié. We don't just say things. On ne parle pas simplement des choses. We sit in the council of God. Nous nous asseyons dans le conseil de l'Éternel. We tell you it would happen. Et lorsqu'on vous dit cela arrive, it's not a suggestion. Ce n'est pas une suggestion. J'ai dépassé le niveau là où j'essaie d'impressionner qui que ce soit. At least I impressed people many years ago. En fait, j'ai impressionné les gens il y a cela plusieurs années. But now I'm more conscious of my assignment. Mais maintenant, je suis plus conscient de ma mission. God is raising a people. Le Seigneur suscite un peuple. There is a people. Il y a un peuple that must arise. Qui doit se lever. I was in Zambia. J'étais en Zambie. And the Lord said to me, et le Seigneur m'a dit, tell them the president will die. Dis-leur que le président va mourir. He will not finish his term of office. Il ne va pas finir son terme électoral. In a big meeting, more than 66 churches. L'une des grandes réunions, plus de 66 églises. You know, there are things you say. Vous savez, il y a des choses lorsque vous les dites. I'm growing mature now. Je suis maintenant en train de grandir, j'entre dans la maturité. In those days, à l'époque, as you hear, you fire. Dès que tu entendais, tu relâchais. Immediately I said it. Dès que je l'ai déclaré, the next day I was in the plane. Le jour suivant, j'étais dans l'avion. I flew to South Africa. Et j'étais parti pour l'Afrique du Sud. 2 months later, 2 mois plus tard, the president died. Le président était mort. They came to the church. Ils sont venus à l'église. And one of the fathers of the faith that had invited me. Et l'un des pères de la foi qui m'avait invité. They wanted to repatriate him. On a voulu le rapatrier ou le déporter. Before Mandela died, avant que le président Mandela ne meure, I was in South Africa. J'étais en Afrique du Sud. I told them about Kubus and Mandela. Je les ai parlé de Kubus et de Mandela. And they died the same year. Et lorsqu'ils sont morts la même année, we hear God. Nous entendons before de Dieu. Boko Haram started, avant que le Boko Haram ne commence, I wrote a letter. J'ai écrit une lettre to President Goodluck. Au président Goodluck Jonathan. I said, don't sign this document. Et j'ai dit, ne signez pas I ce document. I see you signing a document. I'm talking on television. Je vous vois signer un document. Je parle sur en direct à la télé. But nobody listened. Mais personne n'a écouté. 3 semaines. They signed the document. Ils ont signé le document. They called me. I was in Israel. Ils m'ont appelé. J'étais en Israël. Oh, this document, you said they should not sign. They have signed. Oh, tu avais dit qu'on ne signe pas le document. J'ai signé. I told them you sign it. Je vous ai dit vous avez signé. Bombs will begin to explode. Et les bombes vont commencer donc à exploser. 3 months after. 3 mois plus tard. It started. Les explosions ont commencé. We hear God. Nous entendons de Dieu.
I'm not saying an angel said. Je ne dis pas qu'un ange a dit. We sit in the council. Nous nous asseyons dans le conseil. We've been privileged. Nous avons eu ce privilège. To sit in God's council. De nous asseoir dans le conseil we de know Dieu. What will happen in this nation. Et nous savons ce qui va se passer dans cette nation. Listen to me. Écoutez-moi. You see, the Bible says, vous voyez, la Bible dit, and by the prophetic word, et par la parole prophétique, the word went outside. La parole était relâchée. There were four lepers. Il y avait quatre lépreux who sat outside. Qui se sont assis à l'extérieur. And they, all of a sudden, et soudainement, consciousness came to le them. Seigneur est conscient de notre conscience. Nous avons nous assis ici pendant trop longtemps. Tell somebody. Dis à quelqu'un, we have been sitting here nous sommes assis ici for too long. Pendant trop longtemps. If we go in the church, si nous entrons dans l'église, we die. Nous mourrons. If we go, if we stay here, si nous restons ici, we die. Nous mourrons également. We have one direction. Nous avons une direction. We are going into nous the enemy's camp. Vers le camp de l'ennemi. We are entering their nous political entrons party. Dans le parti politique. Listen to me. Écoutez-moi. Can I sell you wisdom? Est-ce que je peux te vendre un peu de sagesse? When you understand God's agenda. Lorsque tu comprends le plan de Dieu. In this house. Dans cette maison. We're talking about party. On ne parle pas de parti. We'll say you. On dira toi. Enter CPTM. Entre dans le FDPC. Enter STF. Toi entre dans le SDF. Enter. Dans le MSC. Enter all the politics. Entre dans tous les partis politiques. We must take over. Nous devons prendre le contrôle. Because God's agenda. Parce que le plan de Dieu. Is bigger than a party. Est plus grand qu'un parti politique. When we are outside. Lorsque nous sommes à l'extérieur. We can fight. Nous pouvons nous battre. When we come back inside. Lorsque nous rentrons à l'intérieur. We say, frère, nous disons brother. Le vote se comment? Why is the voting? Nous sommes en train d'avancer. We are going forward. Mon frère, je prie pour toi. My father, my brother, I'm praying for you. You are going forward. We go outside. Nous sortons. Oh. Oh. But inside. Mais à l'intérieur. The time has come. Le moment est venu. When the church must raise people. Doit susciter les personnes. In all the dans tous les domaines. Listen. Écoutez. And the Bible says. Et la Bible déclare. They sat there. Ils se sont assis là. And they went. Ils sont entrés. All of a sudden. Et soudainement. Because you need to know. Parce que tu dois savoir. This is Gehazi. Voici Gehazi. With his three children. Avec ses trois enfants. That has caught leprosy. Qui a pris la lèpre. Because of the prophecy of his father. À cause de la prophétie de son père. Haman had cursed. Had cursed the things of Elisha had cursed the things of Naaman. Élisée avait maudit tout ce que Naaman avait donné. When he collected. Mais il a pris. He collected the leprosy. Et donc lorsque Gehazi avait pris, il a pris la lèpre. So are you following what I'm saying? Est-ce que vous suivez ce que so j'ai dit? They banished him out of the city. Alors on l'a mis en quarantaine hors de la but ville. His father. Mais son père. Had to release a word. Devait relâcher une parole. The person. Et la personne. To connect. Qui devait connecter. Was his son. Était son fils. Out of the city. Hors de la ville. Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu comprends I ce que j'ai dit? I prophesy. Je prophétise. To any rebellious son. À tout fils rebelle. To hear the voice of your father. Qui écoute la voix du père. And begin to act accordingly. Et qui commence à agir selon. The Bible says. La Bible déclare. Hey, hey. When he heard outside. Lorsqu'il a entendu étant à l'extérieur. He said to himself. Il s'est dit en lui-même. I feel something. Je ressens quelque chose. I know my father. Je sais que mon père. Has released something. A relâché quelque chose. I may not know. Je ne pourrais pas le savoir. But if we stay mais here. Mais si nous restons ici. We die. Nous allons mourir. We go in the city. Nous allons dans la ville. We die. Nous mourrons également. Let's go to the Assyrians. Allons vers les Assyriens. And the Bible says. Et la Bible déclare. They began going. Ils ont commencé à avancer. With their little legs. Les pauses de petits pas. They were going. Quand ils avançaient. And something happened. Et quelque chose s'est passé. The same mantle. Le même manteau. That was on Elijah. Qui était sur Élisée. You remember? Vous vous souvenez? Elisha had said. Élisée avait dit. My father, mon père, mon père. The chariot and the horsemen. Le char et la cavalerie. So when Elijah went. Alors lorsque Élie est parti. The mantle fell on Elisha. Le manteau tombé sur Élisée. When Elisha had trouble. Et Élisée lorsqu'il avait les the problèmes. Bible says, la Bible déclare. He prayed for his servant. Il a prié pour son his serviteur. Eyes opened. Et ses yeux se sont he ouverts. The same chariot. Il a vu les mêmes chars. And the same horsemen. Et les mêmes cavaleries. So this time around. Alors cette fois-ci. The grandson. Le conseil. Le is going to the enemy's camp. Va dans le camp de l'ennemi. To fulfill the word of his father. Pour accomplir la parole de son père. God activated. Dieu a activé. The same mantle. Le même manteau. That was on his grandfather. Qui était sur son grand-père. On his father. Qui était tombé sur son it père. Came at work. Est venu à l'œuvre. The Bible says. Et la Bible déclare. And the Assyrians. Et les Assyriens. They heard. Ils
ont entendu, did not see. Ils n'ont pas vu. They heard. Ils ont entendu. Chariots. Les chars. They heard. Ils ont entendu. Horses. Les cavaleries. And they fled. Et ils se sont enfuis. And they entered. Alors ils sont entrés. In the enemy's camp. Dans le camp de l'ennemi. They began eating. Ils ont commencé à manger. They were celebrating. Et ils célébraient. This is a good day Voici for me. Un bon jour pour God nous. God has changed my Dieu life. Dieu a changé ma vie. God has lifted me Dieu up. M'a élevé. But listen. Mais écoutez. They carried. Ils ont transporté avec they went eux. Ils sont allés cacher for themselves. Pour eux-mêmes. They ate. Ils ont mangé. In the first tent, mama. La première tente. They ate. Ils ont mangé. Did I give you the topic of my message? Est-ce que je vous ai donné le titre de mon the message? The power of the second tent. Le pouvoir de la seconde tente. They began eating. Ils ont commencé à In manger. The first tent. Dans la première tente. They were sharing. Et ils partageaient. You have this. Tu as ceci. I have this. J'ai cela. What were they celebrating? Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de célébrer? The prophecy has come to pass. La prophétie s'est accomplie. God has elevated Et me. Dieu nous a élevés. My life has changed. Ma vie a changé. But when he entered the second tent, Mais lorsqu'il est entré dans la deuxième tente, to do the same thing, pour refaire la même chose, God said to them, Dieu leur a dit, I didn't bring you this far Je ne vous ai pas amené aussi loin for you. Pour vous seul. You just missed me. I didn't open the doors Je n'ai pas ouvert les portes so you can wear nice dresses afin que tu mettes des beaux vêtements and you come to church et que tu viennes à l'église and you show your sister et tu montres à tes sœurs how God has elevated comment you. Dieu t'a élevé. I didn't promote you Je in your office. Je n'ai pas promotion dans ton so bureau. So you can take your nice car afin que tu prennes ta belle voiture and come to church et que tu viennes à l'église and show how God has et blessed you. Et comment Dieu t'a béni. The prophecy didn't come to pass. La prophétie ne s'est pas accomplie in your life dans ta vie. So you can also say afin que tu puisses aussi Finally, dire finalement I am not married. Je suis maintenant marié non. The first tent la première tente was for you était pour toi but the second mais la seconde tente was not for ce you. N'était pas pour toi It is because of the trouble c'est à cause des problèmes of the city de la ville that the prophecy que la prophétie was released. A été relâchée you are just fortunate et tu es simplement chanceux to be there d'être là to receive the et things. De recevoir les choses If God is elevating si you, Dieu t'élève it is not for ce you. N'est pas pour toi If God is blessing si you Dieu te donne une promotion, ce n'est pas pour toi. If God is giving you a husband, si Dieu te bénit, te donne un mari, it's not for ce n'est pas pour toi. If you are traveling to, si tu voyages to nations, dans les nations, it is not for you. Ce n'est pas pour toi. Tell your neighbor, dis à ton voisin, it is not for you. Ce n'est pas pour toi. The door is open. Les portes sont ouvertes. Not for you. Pas pour toi. The blessings have come. La bénédiction not fait. For you. Pas pour toi. It is for nations. Ce n'est pas pour les nations. C'est pour les nations. It is for the nation of Cameroon. C'est pour la nation du It is for the city of Yaoundé, the city of Bafoussam, the city of Douala. You must start developing Et tu dois commencer à développer a bigger vision. Une plus grande vision. They said, Ils ont dit, let's go into the city Entrons dans la ville. And talk to the king. Et disons au roi, let's go into the city. Allons dans la ville. If you stay here, si tu restes ici, that blessing will kill cette you. Bénédiction va te tuer. That is why. C'est pourquoi. A lot of people are shocked. Plusieurs personnes sont surprises. God begins to bless Le Seigneur commence à les bénir. And then all of a sudden. Et soudainement. It stops. Les bénédictions s'arrêtent. It's because you thought. C'est parce que tu avais pensé. It was for you. Que c'était pour toi. This ministry. Ce ministère. Has a vision. Une vision. So for God to establish. Alors pour que le Seigneur l'établisse. He blesses you. Il te bénit. The blessing. La bénédiction. Is not for ce you. Ce n'est pas pour toi. It's for the ministry. C'est pour le ministère. But the blessing. Mais la bénédiction. Must come on somebody. Pour que descende sur quelqu'un. To bring it to the ministry. Pour qu'il apporte au ministère. So if you are ready Alors, si tu es prêt, to say my father dis, mon père, whatever be the vision, quelle que soit la vision of this house de cette maison, I carry it je la porte, then God puts upon et you le Dieu met sur toi, the capacity, la capacité to bring forth pour produire. The Bible says in Deuteronomy et la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapter 8, chapitre 8 verse 18, verset 18 you shall not forget vous n'oublierez pas I am the Lord your God que je suis l'Éternel votre that Dieu has given you power qui vous a donné le pouvoir to make d'acquérir les richesses so as to fulfill afin d'accomplir my covenant mon alliance which I have made with your father que j'ai fait avec vos pères it's not about you il ne s'agit pas de toi
I'm speaking to a church. Je parle à une église. That must understand. Qui doit comprendre. When God promotes you. Lorsque Dieu te donne une promotion. Listen to me. Écoute-moi. It's not about you. Il ne s'agit pas de toi. When you understand it. Et lorsque tu as compris ceci. You will move from one level. Tu vas passer d'un niveau. To the altar. À un autre. Because you will be telling God. Parce que tu diras à Dieu. Father, lift me up more. Père, élève-moi davantage. I still have an assignment. J'ai encore une mission. And God will push you et further. Et le Seigneur va te pousser vers l'avant. Father, promote me. Père, donne-moi une promotion. Give me my boss's office. Donne-moi le bureau de mon patron. And God will give you. Et le Seigneur va te donner. Why? Pourquoi? You have a vision tu for as la vision pour lui. Listen to me. Écoutez-moi. I am tired. Je suis fatigué. With our testimonies. De nos témoignages. Of how God blessed me. De combien Dieu m'a béni. It's not about you. Il ne s'agit pas de toi. It's not about you. Il ne s'agit pas de toi. It's about others. Il s'agit des autres. Do you see others in your life? Est-ce que tu vois les autres dans ta vie? When you are asking God for the blessing. Lorsque tu demandes à Dieu la bénédiction. Are you seeing them in the blessing? Est-ce que tu les vois dans ta bénédiction? Or you're seeing just yourself. Et tu vois simplement ta propre personne. And you're praying. Et tu dis. Someday too. Et tu pries. I will have my own husband. Un jour j'aurai aussi mon mari. That is why you are not yet married. C'est pourquoi tu n'es pas encore marié. That's why you're not yet blessed. C'est pourquoi tu n'es pas encore béni. Because your mind. Parce que dans ta pensée. Is full of yourself. Rempli de ta personne. Follow me as I begin to close. Suivez-moi pendant que je suis en train de conclure. God really wants to bless you. Dieu voudrait vraiment te bénir. God's desire. Dieu désire. Is that after 21 days? Qu'après 21 jours. Your story is completely changed. Que ton histoire soit complètement changée. But you see. Mais tu vois? Not for you. Pas pour toi. You see. Vous voyez, if I begin to prophesy, si je commence à prophétiser, you will be excited. Vous serez enthousiaste. But what you don't know, this is the real responsibility for the reason why the prophecy came. Parce que vous ne savez pas comment voici la vraie responsabilité pour laquelle la prophétie a été lâchée. Follow me. Suivez-moi. Because tonight, parce que ce soir, in the few minutes ahead, dans les quelques minutes que nous avons encore, il y a les life. Choses que le Seigneur va corriger dans votre vie. There are things God is going to redynamize. Il y a les choses que le Seigneur va redynamiser. Restructure. Il va restructurer. Reposition. Il va repositionner. Because there's a bigger assignment. Parce qu'il y a une plus grande mission. So what I want to make you see. Alors ce que je voudrais te faire voir. It's a bigger responsibility. C'est une plus grande responsabilité. It is dangerous. C'est dangereux. To give a child. De donner un enfant. A car. Un véhicule. There are blessings. Il y a des bénédictions. We can prophesy it. On peut les prophétiser. It will never come to pass. Elles ne vont jamais s'accomplir. Why? Pourquoi? You don't have capacity for. Parce que tu n'as pas la capacité qu'il faut pour cela. Very correct. We can prophesy. On peut prophétiser. God will lift you up. Et le Seigneur va te lever. You don't have what it takes. Mais tu n'as pas ce qu'il faut. The Bible says, la Bible as long as the heir aussi longtemps que l'héritier remains a child, encore un enfant, he is not different from il the n'est servant. Pas différent d'un serviteur. There is a dimension, il y a une dimension God wants to bring où you Dieu to. Voudrait t'amener. And I want you to take consciousness. Et je voudrais que tu sois conscient of that responsibility. De cette responsabilité. I told a man. J'ai dit à un homme. In fact, the wife. J'ai dit à son épouse. I said, your husband, I don't know him. Je lui ai dit, votre épouse, je ne le connais not pas. In politics. N'est pas en politique. But he's going to be nominated as a senator. Mais il sera nommé comme sénateur. The wife laughed. Et son épouse a ri. 8 months later. 8 mois plus tard. They called me. On m'a appelé. They said, the man you prophesied to. Ils ont dit, l'homme dont tu avais donné la prophétie. Toute la le village. Has lifted him up as their senatorial candidate. L'a élevé comme candidat au sénatorial. The wife called me. Et son épouse m'a appelé. I said, it is the beginning. Et j'ai dit, c'est le commencement. But there must be a building. Mais il doit avoir une construction. They closed their ears. Ils ont fermé les they oreilles. They are too wiser. Ils sont trop sages. D'amis. Plus que moi. En fait, ils pensaient. Are you shocked? Es-tu sûr? Your father gives you prophetic words. Ton père te donne une parole prophétique. It happens in the life of others. Et ça
s'accomplit dans la vie des autres. Your own does not happen. Mais pour toi, la prophétie ne s'accomplit pas. Is he false? Est-ce qu'il est faux? No. Non. You don't have capacity. Tu n'as pas la capacité. But if you would decide tonight, mais si tu décides ce soir, Father, if I must go back to school, Père, si je dois rentrer à l'école, I will go back to school. Je rentrerai à l'école. If I must do the business, si je dois entrer dans les affaires, Father, I am ready for the business. Père, je suis prêt pour ces Whatever affaires. You are ready for, quel que soit ce pourquoi tu es prêt, you have given wings for the prophecy to locate. Tu as donné les ailes afin que la prophétie te localise. Am I making sense? Est-ce que ce que je parle en sens? Est-ce que ce que je dis a un sens? Listen to me. Écoutez-moi. Where was the church? Où était l'église? Of South Africa. De l'Afrique du Sud. When they legalized homosexuality. Lorsqu'ils ont légalisé l'homosexualité. The church. L'église. Was praying. Priait. Where was the church in America? Où était l'église aux États-Unis? When they legalized homosexuality. Lorsqu'ils ont légalisé l'homosexualité. The church. L'église. Was praying. Priait. God was waiting for somebody to be in the office. Dieu attendait que quelqu'un soit dans une fonction. Donald Trump came. Le président Donald Trump est venu. He has changed it. Il a changé cette by loi. Veto power. Par le droit de veto. Listen to me. Mais écoutez-moi. If the next president comes, si le prochain président he will revient, also change it. Il pourra aussi changer. The only way to keep it, l'unique façon de maintenir the constitution cela, c'est la constitution. Must adopt. Il doit adopter. But how can the constitution? Mais comment est-ce que la constitution pourra l'adopter? When there are no Christians, lorsqu'il n'y a pas de chrétiens in the Congress, qui soit dans le Congrès. Where is the church? Où est l'église? We are still talking. Nous continuons de parler. 500 people were healed. Oh, 500 personnes ont été guéries. Can I ask you a question? Est-ce que je peux te poser une question? If I put all the churches in Douala, si je rassemble toutes les églises de Douala, how many miracles happen every Sunday? Combien de miracles se produisent chaque dimanche? If there are 1,000 churches, maman, si il y a 1,000 églises, maman, let's say 10 miracles. Disons 10 miracles per church. Par église. That will be 10,000. Ce sera 10,000 per Sunday. Par dimanche. Times 4 Sundays. Multiplié par 4 dimanches. 40,000 personnes. That is if they are really healed. C'est s'ils sont vraiment guéris. One minister. Un ministre of health. De la santé publique. Signs a paper. Signe un document. And over 8 million people. Et plus de 8 millions de personnes. Receive treatment for free. Reçoivent un traitement gratuit. Who is more anointed? Qui est plus grand? You're not hearing what I'm saying. Comprenez I shoot you into the government. Je te projette dans le gouvernement. I release and I position you. Je te relâche et je te position. In the place of power. Dans la place de pouvoir. In the place of power. Dans le lieu de pouvoir. Arakata yabasate. There is a place you must be. Il y a une place, une position que tu dois occuper. If we have one Dangote, si nous avons un Dangote in this church, dans cette église, he will call the president. Un seul coup de fil vers le président. Change this law. Il va dire change cette loi. Why? Pourquoi? He employs more than the number of people you influence. Il emploie plus le nombre de personnes que toi tu influences. If you have 10 billionaires in your church, si tu as 10 milliardaires dans ton église, in dollars, en dollars, they are coming, they are coming. Did you hear that? Did you hear that? Vous avez compris? Est-ce que Did vous you avez hear? Compris? Est-ce que vous avez compris? Mama, maman, 10 billionaires, 10 millionnaires, milliardaires. No. There's no law that we do in this country. Il n'y a aucune loi qu'on votera dans ce pays. Consulting your opinion. Sans consulter ou vouloir savoir ton opinion. Because if you sit with your senators. Parce que si tu t'assois avec tes sénateurs. You sit down with your billionaires. Et si tu t'assois avec tes milliardaires. In your office. Dans ton bureau. You can override the law. Tu peux renverser ou révoquer la loi. Listen to me. Écoutez-moi. That's why I don't desire. C'est pourquoi je ne désire pas. The revival of Nigeria. Le réveil du Nigeria. How do you explain? Comment est-ce que vous pouvez expliquer all the fathers, avec tous les pères, c'est un président, le président c'est un musulman, est un musulman.
And it's menacing the church. Et il menace, il traite l'église. Because the church is ready to go to heaven. Parce que l'église s'apprête simplement à aller au ciel. He removed the church that was in the presidency. The church in the presidency. L'église qui avait dans la présidence. Was that? Il a fermé les portes. And they're in the church. Et ils sont à l'église. Fall down and die. Fall down and die. We kill him. On les tue. Can I ask you a question? Est-ce que je peux te poser une question? Since they began praying for him. Depuis qu'on a prayed against him. Prier contre lui. Why did he not fall down and die? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé? Il est mort. You are dreaming. Vous rêvez. Elijah prayed. Élisée a prié. Jezebel did not fall. Élie a prié. Jezebel n'est pas tombé. The church has not learned. L'église n'a pas appris. Jesus is born. Jésus est né. God can kill Herod. Dieu a la capacité de tuer Hérode. But Herod has passed a decree. Mais Hérode a passé un décret. Kill every child. Tuez tous les garçons. God told Joseph. Dieu dit à Joseph. Run with that child. Fuis avec cet enfant. He carries a destiny. Il porte une destinée. Run with him. Mais fuis avec lui. If our fathers in Nigeria, si nos pères au Nigeria can stand up, ils peuvent se lever and tell the church, et dire à l'église, everybody go with your voter's card. Que chacun sorte avec sa carte électorale. Let's sack Buhari. Allons faire démissionner, limoger le président Buhari. He will not stand the second term. Il ne pourra pas remporter les élections pour la seconde fois. But if all they do is to pray, mais si tout ce qu'ils ont à faire c'est de prier, why they are praying? Pendant qu'ils sont en train de prier, he will pass in between. Il va encore passer entre eux and do a second term. Et les va encore prêter segment. When they voted Buhari, si I was in Nigeria. Quand l'avait voté, I had a pastor's conference. Et j'ai assisté à une conférence de pasteur à Calabar. Et je leur parlais. I said Buhari is a necessary trouble. J'ai dit que Buhari est le problème des to wake up Nigeria. Afin de réveiller le Nigeria. Where was the church? Où était l'église? We were praying, Holy Ghost. On priait. Faire du Saint-Esprit. Church of Cameroon. Église du Cameroun. Listen to a prophet. Écoutez un prophète. Until you arise. Jusqu'à ce que vous vous levez. And enter politics. Et que vous entrez dans you la will politique. Change nothing. Vous ne pourrez rien by your prayers. Changer par vos prières. The Bible says. La Bible déclare. Aïe, aïe, aïe. Listen to this. Écoutez ceci. It says. The prayer of a righteous man. La prière d'un juste. Makes tremendous power available. C'est met à sa disposition une puissance très the grande. The power is available. La puissance est à ta disposition. But it's not in use. Mais on n'est pas utilisé. So we can have the power. Alors pour avoir le pouvoir. But somebody needs to rise up. Mais quelqu'un doit se lever. I am taking the power. Je prends le pouvoir. Into business. Pour entrer dans les affaires. I'm taking the power. Je prends le pouvoir. Into politics. Pour entrer dans la politique. I'm taking the power. Je prends le pouvoir. Into education. Pour entrer dans l'éducation. I'm taking the power. Je prends le pouvoir. Jesus said. Jésus a dit. All power. Tout pouvoir. Is given unto me. M'a été donné. Not just spiritual power. Pas simplement le pouvoir all spirituel. Power. Mais tout pouvoir. Governmental power. Dans le plan gouvernemental. Economic power. Sur le plan économique. Social power. Sur le plan social. Educational power. Sur le plan éducationnel. I professor over your life. Sur ta vie. In this next season. Dans cette prochaine saison. Receive power. Reçois le pouvoir. Receive power. Reçois le pouvoir. Into politics. Dans le politique. Into education. Dans l'éducation. Into business. Dans les affaires. Receive power. Reçois le pouvoir. Stand up. Mettons-nous debout. The church must arise. L'église doit se lever. If not, sinon, listen to me. Écoutez-moi. You will remove Biya. Vous allez enlever le président Paul Biya. Listen. Écoutez. But you have not changed the system. Mais vous n'auriez pas changé le système. What you will change, ce que vous allez changer, is the face. Ce n'est qu'un visage. The elections, les élections, can determine the face. Peuvent déterminer le visage. Church involvement, mais l'implication de l'église, determine
determines the functionality. Va déterminer la fonctionnalité. The outcome of the church. Et les retombées. The outcome of the nation. Les retombées de la nation. Before I prophesy on you. Avant que je ne prophétise sur toi. Which position do you desire to occupy? Quelle position désires-tu occuper? We have the prophetic. Nous avons le prophétique. But God is looking for vessels. Mais Dieu cherche les vases. We have the word. Nous avons la parole. But God is looking for vessels. Mais Dieu cherche les vases. I pray for a young man. J'ai prié pour un jeune homme. I said, God will make you a multi-billionaire. Je lui ai dit, le Seigneur fera de toi un multimillionnaire. He laughed. Il a ri. He said, it has to be in stages. Il a dit, ça doit être par étapes. 3 weeks later. 3 semaines plus tard. He signed a contract. Il a signé un contrat. 6 billion. De 6 milliards. We don't lack it. Nous ne manquons pas de ça. My concern. Ma préoccupation is when it comes, c'est lorsque cela arrivera. What will you do with it? Que feras-tu avec cela? Will you buy a car? Vas-tu acheter un véhicule? And then you boast as you enter church. Et tu commences à te vanter dès que tu entres à l'église. Now you call your pastor. Maintenant tu appelles ton pasteur. Yes, it's Raymond. It's Raymond. Je pense que c'est Raymond. C'est it's Raymond. My pastor. C'est Raymond. You cannot reach that level. Amen. You can't get there. Listen to me. Écoutez-moi. Now I stand. Maintenant je me tiens. On this altar. Sur cet autel. Baruch Hashem benon sege benonos. Elugaru mashuv benogo vosesi egevedas. By him that lives and stands. Par celui-là qui vit. Whosoever does not fall to the ground. Et dont la parole ne faillit point. By the commission he gave to me tonight. Par la commission qu'il m'a donnée ce soir. I decree over your life. Je décrète sur vos vies. I bring you to the place. Et je vous prends cet endroit. To command authority. Pour commander l'autorité. To determine the laws. Pour déterminer les lois. To change the system. Pour changer le système. Be empowered therefore. Recevez la puissance. Function. Fonctionner. In the capacity. Dans la capacité. To change Cameroon. Pour changer le Cameroun. To change Africa. Pour changer l'Afrique. To shoot Africa. In her destiny. Dans sa destinée. In her destiny. Dans sa destinée. I decree over your life. Whatever has stopped you. Quelque chose qui t'a stoppé. Until now. Jusqu'à ce moment. I remove them. J'enlève cela. I establish. Et j'établis. Eric Kalosh. Maranona Anush. Veyekes. Ekebonosh. I appoint you. Et je te nomme. I decree you are minister. Et je décrète que tu es you ministre. Are in the cabinet of the governor. Tu es dans le cabinet gouvernemental. You are the governor. Tu es le gouverneur. I establish you. Et je t'établis. As a minister of state. Comme ministre d'État. I bring you in education. Et je te mets dans l'éducation. I bring you in the social. Je te mets dans le social. In justice. Dans la justice. I establish you. Et je t'établis. In culture. Dans la culture. I establish you. Je t'établis. In urbanization. Dans l'urbanisation. I establish you. Je t'établis. In finance. Dans les finances. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I put you in the presidency. Et je te pousse à la présidence. I put you in the presidency. Je te mets à la présidence. I establish you. Et je t'établis. As a president. En tant que président. To rule this nation. Pour dominer sur cette nation. You shall not be lacking. Tu ne seras pas en manque. In wisdom. Dans la sagesse. In capacity. Dans la capacité. In strategy. Dans la stratégie. You shall not be lacking. Tu ne seras pas en manque. Yes, Father. Oui, Père. Yes, Father. Oui, Père. Yes, Father. Oui, Père. Yeah. Yes, Father. Oui, Père. This is what the Lord said. Écoutez ce que le Seigneur dit. I saw a building. J'ai vu un immeuble très grand. And I saw mighty buildings. Et j'ai vu d'autres immeubles sortis de terre. And the Lord is saying. Et le Seigneur dit. Your multi-billionaires are here. Tes multimilliardaires sont là. Alors, the doors are open. Les portes sont ouvertes. Your finances, vos finances, they go to the next level. Vers le prochain niveau. I open Jacques Sousse, La Rouca Chete, Vaiano Vaiano Kosi
voici ce que je viens d'entendre. There is a flow here. Il y a une coulée ici. Listen. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. A man came to preach for me. Un homme est venu prêcher pour moi. And I heard the Lord say, the flow is there. Et j'ai entendu le Seigneur dire, la coulée est stimulée. Carried money. Prends de l'argent. He came and dropped. Il est venu verser. He is preaching for me. Et il prêchait pour moi. Lui-même, il a pris l'argent, il est venu déposer. And his business was already canceled. Et ses affaires avaient déjà été annulées. And I said, because the water is there. Et je lui ai dit, parce que les eaux ont été remuées. Dans 24 heures, they called him. On l'a appelé. He started the business. On a restauré les affaires. And expanded the business. Et on a étendu les affaires. I hear the same thing. Et j'entends la même chose. The water is there. Les eaux sont remuées. I just heard. Et je viens d'entendre. Some of you. Certains d'entre vous. I don't know what you have to do now. Je ne sais pas ce que vous devez faire maintenant. I don't know what you have to do now. Je ne sais pas ce que vous devez faire maintenant. But the water is there. Mais les eaux sont remuées. I don't know. Remove your shoes. Remove. Je ne sais pas, ôter les chaussures, ôter les chaussures. Drop your suit on the altar. Si vous voulez jeter votre phone, votre iPad, sur le terre, whatever. Quelque chose que vous devez faire. Les clés de votre véhicule. I don't know. Je ne sais pas ce que vous devez faire. The water is there. Mais les eaux sont remuées. The water is there. Les eaux sont remuées. Arroka yaka kaka 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 kaka. Matatosh. Ainsi parle l'Éternel. In the next 7 days. Dans les prochains 7 jours. In the next 7 days. Dans les prochains 7 jours. There shall be a sevenfold. Il y aura un sept au centuple. For restoration. Il y aura une restauration au septuple. And upliftment. Et l'élévation au septuple. 7 days. 7 jours. Sevenfold. Septuple. 7 days. 7 jours. Sevenfold. Au septuple. 7 days. 7 jours. Sevenfold. Au septuple. I see God healing. Et je vois Dieu guérir des personnes. Uncommon healings. Guérison inhabituelle. Yay! There are things I'm seeing. Il y a des choses que je suis en train de voir. There are things God is releasing. Il y a des choses que le Seigneur relâche. There are offices God is bringing people into. Il y a les bureaux dans lesquels le Seigneur amène des personnes. I don't know who you are. Je ne sais pas qui tu es. You're watching life. Mais tu visionnes en direct. But the Lord is speaking to. Mais le Seigneur te parle. I bring the word to you. Et je t'apporte cette parole. 7 days. 7 jours. Sevenfold restoration. Septuple restauration. 7 days. 7 jours. Sevenfold restoration. Restauration septuple. Whatever it takes. Quelque chose qu'il faut. Enter inside the waters. Entre dans les eaux. Right now. Maintenant. Begin to pray in the Holy Commence Ghost. Commence à prier dans le Saint-Esprit. Pray in the Holy Ghost. Prie dans le Saint-Esprit. La porrebo shataba yakwata baraka